Ça veut dire quoi, je veux savoir? André, qu'est-ce que tu comptes faire là-bas? Quelques jours, Claire. J'ai besoin de quelques jours. Ça fait 8 jours que j'arrive pas à le joindre. 8 jours, plus personne n'a de nouvelles. J'en peux plus d'attendre. T'es en contact avec quelqu'un sur place? Ouais, avec Igor Salenko de Novaya Gazeta. C'est le journal d'Anna. André n'a pas été arrêté. Police, prison, hôpital, j'ai tout fait. Mais qu'est-ce qu'André cherche exactement? La même chose que nous. Qui est derrière l'assassinat d'Anna? 4 balles dans la poitrine, une dans la tête. André Karpov, je suis à Moscou pour le retrouver. Il a disparu. Il fait quoi, votre compagnon? Il fait une enquête sur Anna Politkovskaya. Vous êtes une petite Française qui débarque ici sans rien connaître de la Russie. Je vous déconseille de continuer à chercher. Non mais c'est quoi, c'est une merde? Administration la con! Claire, ici, rien n'est jamais simple et tout est verrouillé. Et on ne se frotte pas au pouvoir comme ça. Quelqu'un mène l'enquête pour le compte du journal en collaboration avec le parquet. C'est un ancien général de l'armée. Il a souvent travaillé avec Anna sur le Tchétchénie. En Tchétchénie? Son enquête l'a menée en Tchétchénie. Votre décision est prise? Plus que jamais. Comment j'ai joint Doudaïev sur place? Passez-moi voir ici dans votre retour, d'accord? J'ai interrogé tous mes contacts. Personne n'a vu André depuis 10 jours. On l'a retrouvé cette nuit sur un terrain vague. Il a été torturé. Il m'a parlé de vous, de son envie de vous épouser, de vos projets, de votre aide dans l'écriture de son livre. Si j'ai insisté pour vous rencontrer, c'est pour vous proposer mon aide. Merci. Peut-on savoir ce que vous faisiez en compagnie d'un agent du FSB? Tout est là. Ivanov saura quoi en faire. On dirait que vous m'avez oublié, hein?